Bonjour à tous. Ça y est, je suis enfin libre et très heureux de l'être, après avoir vécu vraiment des moments de très gros stress ces derniers temps. Merci au cabinet de Maître Brusa de m'avoir défendu et aidé à sortir. Toutes mes pensées vont en tout cas vers vous. Vous êtes si nombreux à m'avoir soutenu par la pensée et la prière, ça a apporté ses fruits. Merci à mes enfants et à Natacha pour leur soutien et leur présence. Toute ma vie, dorénavant, est tournée vers ce combat pour la liberté, pour la vérité. Le Covid, comme pour mon affaire, doit être classé aujourd'hui. On doit s'attaquer dorénavant vraiment aux vrais problèmes et non entretenir cette pseudo-peur collective qui n'a vraiment plus lieu d'être. Toutes mes pensées, en tout cas aujourd'hui, vont vers Stéphane Blett, collaborateur de la Une TV, qui est mort, vous savez, dans des conditions si obscures suite à des pressions violentes, malsaines. Ces mêmes pressions qui s'exercent aujourd'hui sur tous ces lanceurs d'alerte et sur moi, qui suis journaliste. Une pression démesurée qui nous oblige à vivre en nomade, de bric et de broc, à penser chaque jour au pire. Entre menaces de mort, asphyxie financière, interpellation, le droit de la presse est aujourd'hui bafoué. On ne vit plus dans un pays libre. Suite à Charlie Hebdo, souvenez-vous, nos dirigeants avaient alors juré sur le cœur qu'en termes de liberté d'expression, aucune forme ne serait plus censurée. Mais avec eux, on sait, ce ne sont que des effets d'annonce, c'est que du bluff, que du fake. Aujourd'hui, le constat est terrible. Loi liberticide votée, surveillance et censure Internet, procès et lynchage médiatique, tous les types d'expression sont désormais sous pression. Ils sont frappés d'interdits, d'emprise, parfois même d'étouffement. Les manifestations sont très surveillées. Vous le voyez, tous les moyens extrêmes sont utilisés pour faire taire, je dis bien taire, la dissidence. Et comme le dit Anne-Sophie Chazot dans son livre « Réquisitoire », nous sommes aujourd'hui dans une vraie liberté. Une vraie liberté non pas d'expression, mais une vraie liberté d'inexpression. Merci beaucoup et à demain.